Bah alors les grossophobes, ça se moquait de ma prise de poids. Je l'ai mal pris, hein. J'ai fait une sèche, j'ai perdu 10 kilos. Baki, tu m'as mis 2 sur 10 en anglaise. Inconscient, va. Eh, c'est vrai que t'es bon. Je te souhaite d'aller très loin. Hein? Mais faut pas sous-estimer les anciens comme ça. Hein. À ton âge, on mettait des KO. La vérité. Et même pas d'arbitre. Cédric! À quoi un petit sparring là, petit bout in shape, juste entre nous, tranquillou. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas à liker, abonner dans ma chaîne et merci à vous les gars. Ruff adresse un message à Cédric Doumbé et Baki pour un sparring. Booba se moque de lui, très actif sur les réseaux sociaux. Ruff s'exprime sur divers sujets et partage ses journées et ses nouvelles avec ses fans. Après avoir adressé un message dernièrement à Benzema, juste parce qu'il a vu parmi les personnes qui ont regardé sa story sur Instagram, Ruff il a saisi l'opportunité cette fois encore pour envoyer un autre message à deux athlètes, Baki et Cédric Doumbé, parce qu'il a également suivi un régime avec des exercices dernièrement. En effet, Ruff il a demandé de faire un sparring avec Doumbé pour tester ses compétences. Mais pour l'instant, aucun des deux athlètes n'a lui répondu. Mais le DUC, comme d'habitude, n'a pas hésité de se moquer de lui après avoir ignoré ce qu'il lui avait récemment suggéré concernant un défi musical pour voir qui est le meilleur. En effet, Cop, il a affiché des commentaires ironiques sur Ousni, comme par exemple « Lui et Eto, dans les mêmes pièces, s'il vous plaît ». Qu'est-ce que vous pensez les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe.